c'est un commando. Un commando face à des armées qui vont être Audi, que vont être Peugeot. Une énorme motivation, un esprit très combatif. Pour nous, c'est la première confrontation avec nos concurrents de cette année. Donc, c'est vrai qu'on a roulé tout seul depuis le début de saison. Et là, enfin, on va pouvoir être confronté aux autres pointures. Donc, on est vraiment impatients. C'est un circuit qui est excellent en termes de sécurité et aussi en termes d'essai, parce que c'est vrai qu'on a une configuration avec une longue ligne droite qui nous permet de simuler les longues lignes droites du Mans. Et aussi une partie technique, des virages rapides. Donc, c'est assez complémentaire. Mais bon, je pense que le plus simple, c'est que je vous emmène pour vous expliquer tout ça. Et c'est parti, je vous emmène dans la Courage Eureka. Donc on est parti dans la ligne droite des stands. C'est ici que se déclenche la série de kilométrage. Top, et c'est parti. On arrive pour le premier S. Fond de 6, freinage à 90 mètres, descendre en 3ème. Virage qui passe à 130 km/h. Hop, on accélère. 3ème, 4ème, 5ème. Et on descend vers la partie la plus serrée du circuit. Descente en deuxième. Point à droite très serré. Le gauche aussi après. Petite réaccélération en deuxième. Et la première pour le droite à 60 km/h. Accélération, première, deuxième, troisième. Le droite quasiment à fond. Troisième, quatrième. On va passer dans le gauche à fond qui génère, hop, la vitesse pour la ligne droite. Et là, on est lancé dans la longue ligne droite qui va nous emmener jusqu'au fameux virage de Signes. Donc aux alentours des 300 km/h, comme vous pouvez voir, une ligne droite très longue, type Le Mans, vraiment typé Le Mans, avec une petite remontée à la fin. Et là on respire un grand coup pour entrer dans le droit de Signes qui passe quasiment à fond en 6ème. C'est parti, hop, on est bien ouvert en sortie, et ensuite on est lancé dans le double droite du Bosset, descente en 4ème pour le premier, 3ème pour le deuxième. Réaccélération, virage qui s'est passé à 170-180 km/h, petite réaccélération pour le gauche en deuxième, attention à la réaccélération, hop, le vibreur, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, on arrive au gauche du pont, freinage, descente en deuxième, petite accélération, et on met la première pour l'épingle du pont qui nous le relance sur la ligne droite de départ. Et attention, top chrono. I say this to you tonight.